Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo où on va analyser le roster de Excel pour le LEC Winter 2023. Ici monsieur, non, je vais essayer de diminuer un petit peu ça parce que c'est vrai que je me suis rendu compte après avoir regardé les deux épisodes précédents à quel point j'ai tendance à avoir des tics de langage un peu compliqués, mais bref. Passons, on est là pour parler de ce roster assez hypant, assez incroyable que qu'a pu nous réaliser Excel. Pour ce début de saison, puisque ça a l'air d'être assez intéressant. On voit qu'au niveau de personnalité et au niveau de stacking individuel, il y a énormément de gens qui sont extrêmement hypés par cette équipe. Et je trouve aussi également que ça a l'air d'être une équipe très ambitieuse. La question c'est, est-ce que c'est une équipe qui est si ambitieuse que ça? Est-ce que c'est une équipe qui a la capacité de renverser un petit peu la table en ce qui concerne les récents vainqueurs de LEC? Est-ce que Excel va enfin réussir à rentrer dans le haut du tableau? C'est ce que nous allons essayer de prédire, entre guillemets, dans cette vidéo. Donc, déjà, on va parler de Excel comme une structure en général. Excel, déjà, donc, c'est une équipe qui est là depuis extrêmement longtemps, on va dire. C'est ça, depuis à peu près, c'est ça, 2019, c'est ça. À peu près depuis 2019, ils sont là. On peut aller voir leur tournament results et on va se rendre compte que à peu près, comme pas mal d'équipes dont on avait parlé plus tôt dans les vidéos d'analyse, notamment Vitality, BDS ou SK, c'est une équipe qui a jamais vraiment percé dans le LEC, dans le sens où ils ont toujours été dans des places assez mauvaises. Vous pouvez le voir ici que leur meilleure place, c'est basiquement la 5ème place en regular season du LEC 2022 de cette année, du coup, où il y avait un roster plutôt intéressant avec du coup Finn, Marco, Nuke Duck, Patrick, Advienne et Mickey X. Advienne qui s'est fait remplacer au bout de quelques saisons, enfin quelques semaines, par Mickey X qui était chez G2. Et derrière, leur performance et leur niveau étaient un petit peu accrus, même si ça ne les a pas permis de décrocher mieux qu'une 6ème place, malheureusement, au Spring Playoff, au Summer et au Summer Playoff. Donc ça, c'est à peu près leur meilleur résultat. On sent décidément qu'il y a eu une augmentation en termes d'ambition notoire, enfin notable, entre Excel de 2020, 2021 et Excel de 2022. Et dans la continuité finalement de cette percée, on a un roster qui est plutôt intéressant, puisqu'il consiste en Odo Amné, Xerxe, VTO, Patrick et Targamas, sachant que apparemment Abedaguer est ici toujours également en sub-mid. Bref, il y a des trucs très très intéressants. Alors, je vais pas analyser pour Abedaguer, on va analyser les 5 joueurs ici qui sont titulaires, et on va le faire bien évidemment en faisant les présentations de 10 minutes comme là à l'accoutumée, je lance le chrono. Donc, pour commencer déjà avec Odo Amné, on a quand même un joueur qui est assez big déjà en top lane. On commence déjà par un gros calibre dans le LEC en général, puisque Odo Amné était, dans l'année dernière, considéré comme étant le meilleur top laner de LEC. C'est un gars qui est là depuis très longtemps, depuis 2014, en Ligue Européenne Majeure, chez H2K à l'époque, il est passé chez Splash, chez Schalke, et enfin il est passé chez Rogue pendant 2 ans, après notamment les Worlds de Rogue qui avaient été un petit peu plombés, où ils avaient terminé en phase de groupe, et qui venait remplacer Finn, notamment. Ce qui a donc derrière permis à Rogue d'obtenir des performances bien meilleures, puisque le roster était un petit peu plus stacké en général, et c'était plutôt cool. Et c'est seulement maintenant qu'il débarque chez Excel, donc c'est plutôt intéressant. Pour présenter rapidement le joueur, c'est un joueur que beaucoup considèrent comme étant un joueur en weak side top, hein, des joueurs de weak side tank. Alors, je rappelle également, encore une fois, que je déteste ce nom et cette utilisation de weak side, mais je vais, encore une fois, il faut que je fasse une vidéo plus détaillée, certainement dans l'année, où je parlerai un petit peu de ce concept-là, notamment peut-être dans un draft gap d'ailleurs. Mais en gros, ce que les gens veulent dire, c'est que il est souvent réduit à un très bon joueur de tank en top lane et pas grand-chose d'autre. Et c'est pas forcément quelque chose sur lequel je serais trop d'accord. On verra après, plus tard dans l'analyse au niveau des picks, mais c'est vrai que c'est un joueur qui, dans le système de Rogue, a souvent eu ce rôle-là, c'est-à-dire de prendre un tank en top lane pour pouvoir permettre de soit d'engage, soit de jouer la front lane pour ses carries, et qui n'a pas forcément eu trop l'occasion de jouer des carries en top lane, même si c'est pas forcément parce que on ne l'a pas forcément vu dans le Rogue, dans le système de Rogue, que c'est pas non plus quelque chose dont il est capable de faire. Donc voilà, c'est certainement, je pense que les gens sont biaisés par les 2 dernières années qu'il a passé chez Rogue, mais je suis sûr que il y a moyen qu'on voit un petit peu une facette différente de sa part.
Ensuite, on a un autre joueur roumain qui est donc Xerxe, qui lui pour le coup est également quelqu'un qui a plutôt du vécu dans le LEC, puisqu'il est là depuis 2017 chez Splice, un petit peu plus tard forcément, mais quoique, Nickers of Love il était là. Est-ce que Nickers of Love c'était quand il était encore... Oui, je sais pas si c'est quand il était encore... Si, c'était encore en LEC, putain incroyable. Donc 2016 du coup. Bref, il a fait énormément d'équipes également, Splice, Origin, Astralis, Immortals et Rancor chez Astralis du coup avant de partir chez Excel. Donc c'est un joueur qui est passé par les NA il y a un moment après une saison, une double saison Origin-Astralis assez décevante on va dire. Il est resté genre 2 mois chez Astralis, c'est ça? Oui, ok. Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est que Origin a fait une mauvaise saison avec lui du coup quand il était avec un roster qui était souvent du coup considéré comme un roster un petit peu... entre guillemets ambitieux à la base, mais qui finalement est fini par être pas aussi fort que ça, avec Alfari, du coup Nuke Duck, Upset et Destiny. Après avoir vu du coup la trajectoire d'Upset et Alfari, on peut se dire que oui, effectivement, c'était un roster qui était plutôt intéressant, mais ça n'a pas forcément réussi à cliquer. Ils sont même terminés à la 10e place du LEC Summer, donc c'était un peu complexe. Derrière, il est allé en NA et ça s'est pas ultra ultra bien passé, comme vous pouvez voir là, au niveau des résultats, parce que bon, sans déconner, regardez le roster. Non, je veux pas commencer à parler mal d'NA, mais regardez les rosters. Genre, ça fait mal un peu. Ça fait quand même assez mal. Genre, le meilleur joueur qu'il a joué, c'est quoi? C'est Power of Evil, basiquement? Arrow? Une idée. Bref, c'était complexe, on va dire. Et du coup, il est revenu chez Astralis spécifiquement pour le Summer, et bon, ça l'aura pas empêché de faire une 9ème place, mais c'était quand même une équipe qui était quand même dans la course au playoff jusqu'à la dernière semaine, hein, basiquement. Parce qu'encore une fois, le Summer était une saison régulière qui a été extrêmement serrée dans les derniers instants. Et ils faisaient partie d'un roster plutôt intéressant avec Vizicacci, un autre ancien entre guillemets de la Ligue Européenne et du jeu compétitif en général. Des joueurs qui étaient une nouvelle pousse. Et Kobe Yongun, pareil. Kobe un peu ancien et Yongun un nouveau joueur, un rookie du LEC. Mais qui n'avait pas forcément eu des si bons résultats que ça. Là, il est dans un roster très très intéressant. Du coup, il repart sur un roster du niveau presque de ce qu'on pourrait attendre avec Origin et même potentiellement avec le roster avec Humanoid chez Splice, avec Kobe, Norskeren et Vizicacci. Mais du coup, la question c'est, est-ce que c'est ce roster du coup, est-ce qu'il va pouvoir fit dans ce roster après un passage en année qui était plus que discutable et un retour en Europe qui pour l'instant n'était pas si concluant que ça? C'est tout l'enjeu. On va bien évidemment regarder 5 minutes. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Ensuite, on va parler de VTO. Alors, VTO. Ah putain, ça fait plaisir quand même. Vincent Berrier, VTO, le prodige midlaner francophone. Non, français. On va dire français, littéralement. Francophone, c'est Niski. Français, donc, de LEC. Le petit VTO, je sais pas pourquoi je dis petit à mon âge, mais en gros, c'est un joueur qui est basiquement, il vient de la LFL, il vient de LDLCOL, puis chez Misfits, depuis qu'il est passé en LEC, chez qui il a passé basiquement quelques splits. Il a pas eu forcément des résultats avec Misfits qui étaient si incroyables que ça. C'est-à-dire que bon, Misfits a réussi à terminer genre 3ème du Spring, c'est ça, mais en playoff, ça a toujours été un petit peu plus complexe de leur côté. Parce qu'ils faisaient toujours souvent des très bonnes performances dans la saison régulière, ce qui leur assurait des places en playoff. Mais derrière, c'était très complexe parce qu'en BO5, ça avait souvent tendance à s'effondrer. Et souvent, même si les performances de groupe n'étaient pas si incroyables que ça, c'était basiquement l'un des meilleurs joueurs, notamment dans les dernières années, donc 2022 et 2021, surtout 2022. C'était un joueur qui avait tendance à être parmi, dans la compétition pour le MVP de la saison, basiquement. Donc c'est un joueur qu'on sait qu'il est extrêmement bon mécaniquement. La question c'est, est-ce que les mauvais résultats de son équipe sont uniquement liés à ses mates ou à lui aussi? Et je pense que le fait qu'il n'ait jamais eu un meilleur roster, encore une fois, que le roster qu'il va avoir maintenant avec Excel, va certainement servir d'un test pour lui, puisque, évidemment, c'est certainement un joueur qui a vachement plus d'ambition que ce que les dernières performances lui ont donné, basiquement. Et bien évidemment, en tant que Français, évidemment, en tant que chauvinisme, on a bien évidemment envie de voir VTO performer, mais j'ai toujours quelques petits problèmes avec VTO, comme je vais en parler dans l'analyse, mais je vous laisse ça pour un petit peu plus tard. On va passer à la botlane avec Patrick. Alors Patrick, pour le coup, lui, c'est un underdog des AD Carry, basiquement. C'est un botlaner qui est là depuis très très longtemps en pro play, mais qui n'a rejoint du coup le LEC que depuis 2007 avec H2K, basiquement. Chez qui il est resté basiquement un split, puis un an et 29 jours chez Origin, et enfin il a passé 3 ans chez Excel. Donc lui, c'est le seul joueur qui est resté du roster de l'année dernière, donc de Excel.
Et c'est souvent un joueur qui est tout, souvent un joueur sous-coté, comme on les appelle. C'est-à-dire que tout le monde dit depuis à peu près 2 ans que c'est un crack, que c'est un des meilleurs ADC de la ligue, mais il se retrouve toujours dans des rosters qui sont pas forcément les meilleurs rosters possibles et imaginables. Et même au niveau des grandes structures, on préfère partir sur d'autres joueurs. Par exemple, on avait eu Rogue qui, pour pouvoir se séparer d'Ansama, était parti sur Comp plutôt. On avait eu Fnatic qui était parti sur Upset par exemple également. On avait eu G2 qui, après le départ de Reckless, se sont alignés vers Flakhead. Mad qui, après le départ de Karzy, sont partis vers Unforgiven. Donc vous voyez qu'il y a énormément de grosses écuries qui ont, de manière consistante, snobé Patrick. Mais la question c'est, est-ce qu'ils ont eu raison ou est-ce que le joueur n'est pas un talent caché et n'est pas juste destiné à pop-off dès qu'il aura un roster suffisamment bon comme l'a, comme l'a fait basiquement Upset dès qu'il est arrivé chez Fnatic. On va bien évidemment le voir pendant cette équipe-là, mais c'est vrai que c'est également un joueur qui a beaucoup à prouver dans ce roster. Et enfin, on a Targamas, un autre prodige francophone du coup, cette fois-ci francophone du coup, qui est belge. Qui lui pour le coup est un ancien de la Carmine basiquement dans qui faisait partie de la fameuse comment dire équipe légendaire de la Carmine qui je crois a fait double vainqueur des The Masters, c'est ça si je puis me permettre, c'est ça. Donc LFL final spring playoff EU Master puis summer deuxième playoff pas de chance et derrière EU Master summer. Donc on sent que voilà, dès qu'il est arrivé chez Akaporc, il faisait partie du quoi, du roster avec Xmati, Seiken, Synchrof et Adam, puis Cabochard du coup, d'après à partir du summer quand Adam s'est fait recruter par Fnatic. Le roster légendaire qui a eu énormément de bonnes performances en LFL, et pour cause, c'est un joueur qui est extrêmement versatile et qui est parmi les meilleurs supports de la ligue. Et d'ailleurs, dès que G2 l'a recruté, on a su très clairement que c'était un des points forts de l'équipe et que la versatilité qu'il avait notamment pour le poste de support lui permettait des botlanes très intéressantes avec Flakhead et contribuait au facteur un petit peu imprévisible de G2 qui déjà fait partie de leur identité, évidemment, mais qui en plus du coup leur permettait en draft d'avoir un avantage vraiment énorme, on va dire, sur le reste de la ligue. Et ce qui faisait ce que j'avais potentiellement dit également que, par exemple, dans le summer, que G2 était potentiellement l'équipe qui draftait le mieux en Europe. Bon, jusqu'à ce que Rogue arrive, bien évidemment, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'était un très bon élément de G2 jusqu'au Worlds, basiquement, où il a eu des performances que l'on peut qualifier de décevantes. Et forcément, du coup, vu qu'il est plus chez G2 et qu'il a été acheté par Excel, la question c'est, est-ce que G2 l'a viré ou est-ce que finalement, c'est lui qui a voulu arriver dans ce roster pour essayer de faire des performances intéressantes? C'est ce que nous allons voir. Voilà, voilà. Oh putain, incroyable, j'ai entendu le bip au moment où je suis passé sur l'onglet, c'est incroyable. On est vraiment sur l'un des meilleurs timings que j'ai jamais fait. Bref, donc la présentation est terminée, on va pouvoir passer à l'analyse. Et alors, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci on va analyser les joueurs en prenant les performances de toute l'année. Déjà pour pouvoir illustrer un point que j'ai besoin de faire, notamment au niveau de Odo Amné. Alors, donc, Odo Amné sur l'année, c'est 44 wins et 29 loss. Donc c'est basiquement 70 games, un peu plus. 70 games, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 picks uniques, dont la plupart sont sur Gnar, Renekton et Ornn. Je vais pas spoil très rapidement, enfin si je vais spoil très rapidement, mais Xerxes, c'est 30-40 games à peu près, pour à peu près le même nombre de picks. Donc là, ça fait bizarre parce qu'il y a presque deux fois moins de games. VTO a plus de picks, je crois, c'est ça. VTO a plus de picks en 50 games, donc 20 de moins. Patrick, en 50 games, a à peu près le même, ce n'est un peu plus. Et Targamas, bon, il en a plus. Il a plus de games, mais on va dire qu'il a plus de roster. Je vous garde la surprise pour plus tard, mais bref. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que ce système de laisser Odo Amné sur les mêmes 3 picks pendant toute l'année par Rogue, est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire de leur part pour la stratégie de l'équipe? Est-ce que c'est vital pour eux d'avoir un joueur qui peut être utilisé comme, par exemple, quelqu'un qui peut pick un champion très tôt dans la draft pour pouvoir servir de counter-pick, donner le counter-pick à ses joueurs, à ses mates? Ou est-ce que c'est vraiment un problème de capacité individuelle? Moi, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a un bon GP. Déjà, bon GP égale bon joueur. Désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Non, mais si vous avez vu les autres vidéos, vous savez. Mais évidemment, le fait d'avoir un GP, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire pour être un bon top laner, et le sait. Mais je trouve qu'avoir un pick jump plank, ça témoigne une certaine versatilité en termes de top laner.
On voit également que c'est un bon genre de Jayce, un genre de Gwen, un genre de Graves. Même si c'est des champions qui sont moins joués, on voit que c'est pas non plus quelqu'un qui se cantonne exclusivement à des tanks. Il a quand même des picks de carry parmi ses picks. On a également une game de Akshan aussi, donc on voit que c'est pas un joueur qui a peur d'utiliser des picks qui sont pas des tanks, justement. La question, c'est du coup, si on a eu finalement au bout du compte une sorte de convergence, une singularité sur ces trois picks de top laner, est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause de l'équipe? C'est ça la question. Est-ce que c'est un problème de capacité individuelle où au bout d'un moment ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient bien fonctionner ou fonctionner au total que lorsqu'ils jouaient en tank, ou est-ce que c'est vraiment le joueur qui n'est pas aussi bon qui n'est pas aussi bon par exemple que d'autres joueurs qui savent jouer justement plus de picks qui sont qui demandent plus de ressources et qui du coup ne peuvent pas forcer, ils peuvent pas forcément du coup les utiliser à la perfection et obtenir les ressources suffisantes pour pouvoir être fort dans la game. Bon, je suis très peu fan des picks de Gnar et de Renekton en top lane. Je trouve vraiment que c'est des picks qui sont sous-optimales, notamment dans les drafts actuels qu'on a en LEC, surtout qu'ils sont souvent picks pour basiquement ne servir que de chair à canon, basiquement. À la limite, je suis vachement plus fan du Horn, à la limite, parce que je trouve que c'est un champion qui peut rentrer dans pas mal de drafts et qui est très utile la plupart du temps, et qui en plus n'est pas aussi weak en lane que ce que les gens pensent. Mais voilà, j'aime pas forcément ces deux picks de Gnar et de Renekton. C'est à peu près ce que je vais donner. Bon, le Rumble, il a pas forcément réussi à le faire fonctionner les moments où il voulait. En dehors de ça, ça pouvait pas trop. C'était pas trop problématique. Le faible pick de Aatrox, sachant que c'était un champion qui était énormément pick pendant les Worlds, ça me fait un petit peu peur. Parce que ça voudrait potentiellement dire qu'il n'était pas capable de le jouer. Alors je sais pas si c'était ça ou si c'était encore une fois un truc de l'équipe, mais ça fait un peu peur. Notamment le fait que, voilà, on sait que l'état d'Aatrox dans les dernières saisons était, notamment dans les Worlds, était assez énorme. Et ça fait un petit peu peur de voir qu'il a été aussi peu pick par Odom. Voilà, voilà. Ou alors peut-être qu'il percevait juste pas le champion comme étant suffisamment fort, ce qui est un autre problème. Bref. Donc voilà, une versatilité qui est là, même si j'ai tendance à voir qu'il y a quand même il y a quand même tendance à privilégier un certain petit pool de champions. Et ce certain petit pool de champions est pas souvent, pas non plus énorme, parce que je considère vraiment que Gnar et Renekton sont pas des picks que tu devrais trouver aussi souvent. Surtout Renekton, qui notamment dans la deuxième partie de l'année n'était pas forcément un blind pick selon moi, et qui était surtout un pick qui était là pour potentiellement essayer d'abuser d'une lane qui était plutôt faible, mais pas particulièrement à slap dans un roster, enfin dans une game contre un tank ou contre un champion qui ne pouvait pas battre en 1v. Bref, ça c'est pour Odo Amné. Donc ensuite on est passé sur Xerxes. Alors bon, forcément vous allez voir l'historique de Xerxes, vous allez faire bon... merde, ça fait mal un peu. Bon déjà, il est passé d'un roster moyen en NA à un roster moyen en EU. Donc évidemment que le win rate n'est pas le même, forcément. Le problème qu'on a, c'est surtout qu'il a 9% de win rate sur le pick qu'il joue le plus. Ce qui est pas beaucoup, quand même. Ça veut dire qu'il a gagné une game en gros, sur 11. Avec Viggo, ok, ça fait un peu mal quand même. Mais on voit aussi surtout que c'est vraiment un joueur qui, bon, au-delà de tous les junglers qui ont des junglers un petit peu, on va dire, low économie, très fonctionnable pile à un item et qui dépassent pas forcément les deux items dans la partie, genre Wukong, Xin Zhao, Iber, Trundle, Qiyana, enfin pas Qiyana, vie, je vais dire, j'arrive pas à dire vie, mais il n'y a pas de vie justement, intéressant pour le coup. Ça c'est plutôt intéressant. Dans le bon sens. On a du Ekarim, même si je suppose que c'est du Ekarim tank. Mais... est-ce que c'est du Ekarim tank? Ah, oh putain, ça charge lentement quand même. Oh! Alors, bon. Alors, ça me fait peur. Ça, cette stimulation-là, elle me fait très très peur. Mais le Ekarim Trinité avec Visage Pi, pour le coup, je trouve ça très très intéressant pour le coup. Ok. Donc c'était un Ekarim un peu carry. Ok. Moi, la question que je me pose avec Xerxes, c'est ça, en fait, quel est le point dans sa carrière où on est passé du Xerxes de S10, basiquement, qui jouait des Karthus et des Gragas, c'est-à-dire des champions qui avaient tendance à décider beaucoup plus d'économie en général, et à pas être des champions pure fonction, même qui jouaient des Kha'Zix, même jouaient des Nidalee, des jouaient des Sylas. Derrière, on passe en S11. Déjà, le pic de Karthus a disparu, il est joué qu'une seule game. Derrière, on passe sur Ekarim full tank parce que c'était les items, tout ça. Xin Zhao. Alors, il y a eu un peu de Lilia quand même. Il y a un peu de Lilia, un peu de Viego, un peu de Rumble. Parce que Rumble c'était le MSI et tout ça. Un peu de Kane. J'ai rien dit, en vrai, il y a pas mal de Gary Jungle. Mais derrière, on passe en S12. Viego, Wukong, Xin Zhao, Volibear, Trundle, Ekarim, Xur 24. Je sais pas ce qui s'est passé.
En fait, je sais pas si c'est un problème de style de jeu ou que les gens voulaient plus jouer avec des carry jungler, mais c'est vrai que on a eu une annulation complète de son style de jeu. Il me fait assez peur. La question c'est du coup, quel est son style de jeu maintenant? Quel est le type de champion sur lequel il est le plus fort? C'est ça qui est particulier. Parce que on voit déjà que malgré son historique largement négatif, c'est un joueur qui a tendance à avoir beaucoup d'avance en early game, en général en moyenne, on va dire. Beaucoup, on n'est pas non plus à ce niveau-là, mais il a quand même de l'avance. En jungle, c'est pas si fréquent que ça. On a tendance à avoir quand même un joueur qui a tendance à bien gérer ses premières 15 minutes, malgré une équipe qui est moins forte. Donc on voit déjà que c'est un joueur qui a tendance à surperformer par rapport à ses résultats. Donc ça fait un peu du bien. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il joue autant de champions tank alors qu'il était surtout connu pour des champions carry? C'est un peu bizarre. Surtout que oui, on voit que les meilleurs games qu'il faisait c'était pas forcément avec des champions low economy. La question c'est est-ce que du coup, quelle version de Karthi, j'allais dire justement, c'est la même chose que j'ai littéralement dit la même phrase dans l'analyse de Malayans. Quelle version de Xerxe on va avoir pour ce LEC et pour ce roster de Excel? Si c'est encore le Xerxe qui est full pas d'économie, j'ai peur un petit peu pour son niveau, parce que c'est pas comme si, voilà, il était mauvais, on va dire, là vous voyez le niveau du winrate, bon c'est son meilleur winrate, c'est avec des champions qui n'ont pas d'économie, mais je veux dire, on sent que ça, en fait, le fait que ses performances avec des champions plus carry ou des champions plus un peu orthodoxes, on va dire, genre Lilia, genre Qiyana, genre même des Udyr théoriquement, ou du Velvet, le fait que ça performe aussi mal que ça, même pareil pour Ikarim, et même pour Viego en plus d'ailleurs, hein, sur ce qui est le top pick d'ailleurs, soit ça traduit le fait que la méta était extrêmement en faveur de champions low economy en jungle, ce qui a potentiellement du sens, je pense que ça joue un petit peu, mais que ça joue pas tellement que ça, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de jungle carry était jouable hein, théoriquement et était très très utile. On passe notamment même à, on voit dans les Worlds, jusque dans les Worlds on avait des picks de Kindred qui étaient partis et qui ont très bien fonctionné, donc c'est pas forcément un problème de uniquement des champions low economy, parce que je pense que c'est aussi un truc de les laners veulent forcément jouer avec des champions qui demandent moins de ressources parce que du coup ils peuvent en avoir plus, mais est-ce que c'est aussi un problème de potentiellement une différence individuelle qui n'est plus capable de faire certainement, c'est-à-dire que peut-être que pas forcément une baisse de niveau. Attendez, c'est-à-dire que de toute façon, c'est très difficile de perdre son niveau dans League of Legends. C'est surtout le fait d'avancer moins vite que les autres. Et peut-être que le fait d'avoir un petit peu fall off en termes de niveau mécanique de la part d'exercer, c'est potentiellement ce qui lui a empêché de partir sur plus de champions mécaniques. Et dans ce cas-là, ça peut être assez angoissant, on va dire, pour le roster, parce que ça peut potentiellement potentiellement vouloir dire des potentielles fuites, ou des potentiels un potentiel maillon faible, on va dire, dans le roster. Ça, bien évidemment, on fait que des conjectures à ce niveau-là, évidemment. Mais c'est vrai que dans les games qu'il a joué, même s'il jouait quand même pas, il jouait quand même pas dégueu, hein, bien évidemment, on était quand même assez loin, je pense, du Xerxes de saison 10. Donc, on va voir, on verra. Est-ce que Karthus va revenir? Est-ce que des champions comme ça, très carry, vont être un petit peu plus le pic de Xerxes? Le problème, c'est qu'on va voir que est-ce que c'est assez compatible avec Excel? Ça va être complexe. Ensuite, on a Veto. Bon. Veto, mon ami, il va falloir qu'on parle de tes pics. Non, si vous avez vu mes autres vidéos, normalement, vous voyez déjà à peu près de ce que je veux en dire. Mais en gros, le fait que les pics, dans les 5 pics les plus pics de VTO, on est Sylas, Akali, Leblanc et Zoé, ça me fait extrêmement peur. Parce que c'est des champions qui ont souvent tendance à ne pas être des champions qui jouent au jeu de la même manière que des champions plus genre Orianna, Viktor, Nera, même des Ryze ou des Cassiopeia. L'avantage, c'est que je crois que VTO avait tendance à être un très très gros joueur de Syndra et que bon, Syndra était dans un état plutôt dégueulasse l'année dernière. Peut-être qu'avec le mini rework dont elle a fait preuve et que maintenant le fait qu'elle ait une nouvelle place dans la méta, celle de numéro 1 d'ailleurs, c'est peut-être du coup ce qui va lui permettre potentiellement de jouer plus ce genre de champion. Mais j'aime pas forcément le fait que VTO ait tendance à choisir partir sur énormément de picks qui soient déjà extrêmement mécaniquement demandants. Surtout dans une ligue où la mid lane est un choix extrêmement, un rôle extrêmement contesté en termes de niveau. Je vais refaire la liste juste pour qu'on sache, mais on a Humanoid, on a Caps, on a Narsen, on a Niski, on a des joueurs genre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui c'est ça, il y avait Ruby qui était plutôt intéressant, et on a Perks. Donc c'est une mid lane qui a tendance à être assez stack en LEC, et... Le fait de partir sur des champions aussi mécaniquement demandants de la part de VTO, ça veut dire qu'il est obligé d'être meilleur que son adversaire pour gagner. C'est des champions qui déjà doivent fonctionner avec énormément d'économie, parce que s'ils sont basiquement even
bout d'un moment, ils finissent par tomber. Je pense notamment à LeBlanc et à Zoé, surtout Zoé parce qu'elle a tendance à dépendre énormément de timing, de one shot. Pas un peu moins du côté de Sylas et de Akali, parce que c'est des champions qui sont censés, comme ils sont mêlés par range en mid lane, ils sont censés fonctionner avec moins d'économie que leurs adversaires. Donc c'est pas comme si le fait qu'ils soient derrière soit forcément problématique, mais c'est surtout qu'ils ont tendance à demander d'être extrêmement bons mécaniquement pour pouvoir fonctionner au niveau de Orianna, Victor et d'autres picks comme ça. Est-ce que c'est problématique quand on est meilleur mécaniquement que son adversaire ? Pas tellement, mais c'est vrai qu'on se met énormément de pression sur les épaules lorsqu'on joue ce genre de champion. Et dès qu'on arrive dans une game ou dans un moment où on va avoir une faiblesse mécanique, on va potentiellement avoir un effondrement du playstyle et de la game en général. Déjà, en plus, on voit... Alors, par exemple, on peut parler également des stats qu'on voit en termes de CS différentiel. Moi, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt puisque, évidemment, on a deux mêlées en mid lane comme les plus pick, vous êtes VTO. Donc, c'est pas forcément... c'est pas comme si c'était pas un CS différentiel qui était attendu de la part de champions qui ont souvent des difficultés en lane. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est le fait que ce soit des picks qui soient autant joués. C'est ça mon problème. C'est que, à la limite, vouloir jouer des Akali ou des LeBlanc dans les games où t'affrontes des joueurs qui sont moins bons que toi, pourquoi pas. Notamment des équipes de bas de tableau où tu sais que tu vas pouvoir réussir à snowball suffisamment rapidement pour pouvoir, derrière, clore la game très rapidement, pourquoi pas. Le problème, c'est que des champions comme Akali, Sylas ou LeBlanc, et même Zoé, sont des champions qui nécessitent et demandent de savoir profiter des erreurs adverses pour pouvoir trouver des timings de one shot. De vraiment créer la différence, parce que si on n'arrive pas à la créer, le champion est useless, basiquement. Si Akali n'arrive pas à trouver un one shot dans le teamfight, elle est useless. Si LeBlanc n'arrive pas à trouver un one shot dans le teamfight, elle est useless. Si Zoé n'arrive pas à trouver une bubule ou un Q-spell, genre, basiquement faire une grosse différence individuelle, elle est useless. Sylas, c'est à peu près pareil. On va dire, c'est un peu moins le cas, mais c'est à peu près pareil. C'est, je pense, définitivement le meilleur de tous ces picks là. Mais ouais. Surtout qu'en plus, on voit les autres picks, on voit qu'il y a un pic de Corki, on voit qu'il y a des pics de Victor, qu'il y a des pics de Syndra, qu'il y a des pics même de Yasuo, même si c'est à peu près le même genre de pic, mais que c'est dans un nombre de games qui est plus acceptable de la part de Yasuo, qui est plus un pic un peu plus situationnel que ça. Et c'est à peu près là où je voudrais en venir, c'est que Akali, LeBlanc, Zoé, c'est des champions qui ont tendance à devoir rester des pics situationnels dans la draft, puisque c'est pas des champions qui ont doit pic aussi souvent, on doit privilégier aussi souvent que des pics qui peuvent rentrer dans plus de compositions ou des pics qui peuvent basiquement servir de véritables piliers pour leur équipe. Basiquement, c'est des champions qui peuvent fonctionner dans des games, dans des drafts, mais qui ont besoin soit d'être bien meilleurs que leur adversaire pour pouvoir fonctionner, ou d'être, ça j'ai oublié de le dire, d'être contre une draft qui n'a pas les outils pour pouvoir gérer ce genre de champion. Par exemple, Akali dans une draft contre une draft sans CC avec des squishy, c'est le paradis sur terre, basiquement. Mais dans tous les autres games, ça va être extrêmement complexe à jouer. Donc évidemment, je suis extrêmement surpris, extrêmement impressionné par le winrate et par la capacité mécanique de Veto sur Akali, et je pense que c'est le genre de pick qui doit potentiellement être réduit en termes de fréquence si il veut conserver une efficacité optimale, et qui devrait potentiellement essayer de pick plus de champions qui rentrent dans d'autres types de compositions pour pouvoir être plus versatile dans les drafts et se permettre un avantage supérieur par rapport à l'équipe adverse. Le fait de pouvoir constamment privilégier ce type de champion rend également la draft extrêmement prévisible, et avoir un pick comme LeBlanc, Akali ou Sylas, c'est ce genre de pick qui sont souvent counter par les mêmes champions. Et donc, t'as juste à pick un champion tout le temps contre VTO, et peu importe le pick qu'il va choisir, si c'est parmi ces trois picks-là qui sont les picks les plus joués par VTO, et les picks qu'il a tendance à privilégier le plus, c'est potentiellement très problématique parce que tu vas pouvoir counter tout son playstyle de jeu. C'est à peu près le même problème qu'avait Adam, où basiquement il jouait pas mal de champions qui faisaient à peu près tous la même chose et qui donc counter par à peu près les mêmes champions. Et donc, même si on avait une grande champion pool, on n'avait pas une énorme diversité de picks parce que les picks rentraient tous dans la même thématique. Pareil à peu près pour VTO, même si on voit que dans les picks qu'il joue, il y a plus d'ouverture. On voit de la Cassiopeia, on voit du Ryze, on voit de la Talia, même si bon, Talia était un peu plus jouée ces derniers temps, bien sûr, mais le fait que c'est pas un pick auquel il est fermé. Même de la Vex, un moment qui a été tenté. Donc on voit qu'il y a pas mal de picks. Déjà, il n'y a pas d'Azir, ça me fait un peu peur. Mais on voit qu'il y a pas mal de picks différents qui a été tenté. Donc je sais qu'il a la capacité de jouer d'autres picks. Mais je pense que si on avait un ordre de picks qui était différent, on avait plus de games de Victor, plus de games d'Orianna, plus de games de Syndra, potentiellement, ça dépend. Des games un petit peu plus équilibrés, et que c'était pas tout le temps le même archétype de jeu de champion qui était sélectionné,
ce serait selon moi un joueur qui deviendrait vachement plus redoutable et qui, en lieu de, comment dire, de tout le temps dépendre sur des performances individuelles qui sont difficilement reproductibles ou au fur et à mesure qu'on avance dans le, qu'on augmente de niveau de jeu, on puisse partir sur des champions plus versatiles. Et c'est selon moi d'ailleurs potentiellement une des raisons pour lesquelles les Misfits n'ont pas réussi à briller plus que ça en BO5. C'est aussi le fait que justement le problème de la Champion Pool de Veto pouvait potentiellement se poser au bout d'un moment. Voilà. D'ailleurs, je n'essaie pas d'essayer de faire une trop de comparaison entre cette liste et la liste que je faisais dans les autres vidéos parce que c'est toute l'année. Donc si on prend uniquement le split, on voit que déjà il y a vachement moins de picks différents, mais que les basiquement l'ordre des 5 premiers picks est à peu près le même. C'est juste qu'on a trade une LeBlanc pour une Harry, en gros. Il fait à peu près la même chose d'ailleurs, encore une fois. Donc c'est à peu... les critiques restent viables. Ensuite on a Patrick. Alors Patrick, putain de merde. C'est un gros morceau Patrick, parce que déjà on voit au niveau du CS différentiel, on est sur à peu près une even, un truc à peu près even. Mais le fait qu'il ait moins de... Il n'est pas beaucoup des CS différences, mais même qu'il soit souvent derrière en termes de CS, mais légèrement devant en termes d'XP et de gold, ça veut dire qu'il arrive soit à obtenir des plaques, soit à obtenir... des kills à 6 slash Drake. Donc on voit que ça peut potentiellement être un joueur qui a plus de proactivité dans les 15 premières minutes que d'autres carry. En tout cas pas plus par rapport à son habilité à CS, basiquement. Ensuite on voit que on a beaucoup de picks de Jinx Aphelios parce que le Spring avait énormément de Jinx Aphelios. On avait du Sivir, du Lucian et de la Zeri parce que c'est à peu près les 5 picks. Voilà, les 5 picks qui ont défini l'année 2022, basiquement. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors déjà il y a des picks de Draven. Donc on voit que c'est un joueur qui a potentiellement tendance, en dehors donc des picks qui sont joués souvent dans le méta, à pouvoir partir sur des picks plus agressifs pour essayer de faire plus la différence dans les lanes. Ça peut être potentiellement le cas. On a aussi des picks de Kalissa qui sont disponibles également. Donc voilà, la trinité des carry AD agressifs en lane, donc c'est Lucian, Draven et Kalista. On a de la Nilah aussi, qui a été tentée souvent. Je me suis rendu compte, je rappelais également que oui, effectivement, Excel était le genre d'équipe qui avait tendance à privilégier et à jouer Nilah. C'est une des rares équipes d'ailleurs en LEC qui ont commencé à jouer Nilah et qui ont continué à la jouer pendant longtemps. On voit que par exemple, c'est un champion qui a quasiment disparu des Worlds. Et je pense que effectivement, même si c'était un pick qui était intéressant au début à sa sortie parce qu'on pouvait potentiellement profiter de l'inexpérience de match-up, je pense que c'est un champion qui a souvent fall-off. Et j'espère que c'est pas le genre de mauvais guess dans la méta qui va se reproduire dans la botlane, parce que je pense que Nilah était pas forcément un champion qui était si intéressant que ça à jouer. Parce que bon, quand on la voyait dans la game, il fallait vraiment que les étoiles s'alignent pour qu'elle soit vraiment très utile dans la game. Et c'est forcément un problème que tu ne peux pas forcément régler, et tu ne peux pas forcément avoir les circonstances optimal dans chaque draft ou dans chaque game, même dans les rares, même dans les moments où tu piquais Nilah qui était plutôt faible, même si évidemment on va voir dans le summer et forcément elle remonte dans le glaçon parce qu'il y avait moins de game, mais vous avez compris. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, déjà on voit que on dépasse pas les 50% de win rate sur des picks plus agressifs d'ailleurs, quand on voit Draven à 33, Lucian à 33, enfin 50 et Kalissa à 50. Bizarre, bon. Kalissa un peu moins parce que forcément il y a que deux games, hein, donc on va pas forcément juger ça. On voit qu'il y a zéro game gagné de Senna. On voit qu'ils ont tenté un truc à un moment. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Ils ont tenté quoi avec Senna? Tac, c'était dans cette game-là. Ah, Senna Galio. Effectivement, ça n'a pas fonctionné et c'était un peu normal. Oui, parce que Galio pue un peu la merde. Bref. Mais voilà, on a du Varus également. Caitlyn, Twitch, Ezreal, Samira. On a quand même une bonne panoplie d'ADC, ça c'est vrai. Peut-être que, voilà. En ce moment, il y a quand même des trucs. Il y a quand même des picks qui ont été tentés, c'était plutôt intéressant. Même de Samira, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de picks très différents qui ont été tentés. Donc ça peut être intéressant de savoir que c'est aussi un joueur qui a de la versatilité de pick. Mais évidemment, il peut default à la méta, comme on l'a vu avec Sivir, Zeri au summer et Jinx Aphelios au spring, évidemment. Mais c'est aussi un joueur qui peut tenter des picks un peu différents dans les games, ce qui est très très intéressant à ce niveau-là notamment. Bon, donc ça peut être très très cool. La question c'est du coup, est-ce qu'il va être forcé à jouer d'une certaine manière ou pas? Est-ce qu'il a des préférences dans une certaine matière ou pas? Si on regarde ces autres années, on voit pas mal de Kai'Sa, on voit quand même pas mal de Aphelios et Xayah. Donc on voit déjà une polyvalence. Bon, Jhin, tout le monde peut faire des erreurs, Kai'Sa tout le monde peut faire des erreurs. Déjà Draven, Senna, Varus, Samira, ok. On voit quand même qu'il y a quelques picks agressifs quand même. Parce que là, dans la saison 11, tu vois Kai'Sa agressif, Jhin agressif, Kalista agressif, Draven agressif, Samira agressif, et Senna même aussi également agressif. Donc on voit que on a potentiellement un style de jeu qui, en dehors des limites de la méta qu'on a eu pendant 2022, a tendance à souvent être assez agressif.
comme je dis. C'est pas forcément un problème avec Targamas, comme on va pouvoir le voir plus tard, mais est-ce que ça pourrait potentiellement pas, avec VTO qui a aussi tendance à jouer des picks très agressifs, est-ce que c'est pas potentiellement des trucs qui vont être le porteur de la dynamique de Excel? On va voir. On va voir. Et du coup, est-ce que ça va pas forcément peut-être se mettre à les faire s'enfermer dans ce type de style? C'est très dur de dire, parce que c'est vrai que c'est pas une identité qu'on a tendance à aussi voir beaucoup de la part de joueurs comme Odo Amné ou Xerxé. Parce que bon, on voit pas forcément. On a quelques pics de Wukong effectivement du côté de Xerxé, mais il est souvent plus connu pour des champions qui sont un peu moins agressifs, ou un peu moins genre full all-in. Et Odo Amné, bon, voilà. Certes, il y a du Renekton, mais c'est pas non plus genre la fête du slip avec full Camille. Genre full Kennen, des trucs comme ça qu'on voit en LPL, c'est pas non plus ce genre de joueur quoi. Donc il peut potentiellement y avoir des problèmes au niveau de la draft et au niveau de qui privilégie quoi. En fonction de comment est-ce que la bot lane et la mid lane vont polariser la partie. Et enfin Targamas. Alors pourquoi est-ce que je vais pas montrer Targamas tout sa range de champion? Regardez-moi cette horreur, voilà. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'au début, donc dans le Spring 2022, Targamas s'est mis un objectif au niveau, c'est je vais jouer une game, un champion différent, à chaque fois, tout le temps. Je crois que le moment où il s'est arrêté, c'est le moment où il a pique genre deux fois Thresh ou un truc comme ça. Genre, si on regarde, genre, c'est tout premier match, on a Lulu, Pyke, Yumi, Bard, Zira, Rakan, Zilean, Tamkench, Nautilus, Seth, Brom, Thresh, Leona, Pyke, Tamkench. Putain, on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs. Derrière, on part sur Karma, qui est un nouveau pick encore. Alistar, qui est un nouveau pick. Nautilus, qui est un deuxième pick. Et Brom, qui est un deuxième pick. Donc derrière, il a commencé derrière ensuite à reprendre un petit peu des picks un peu pareils. Même si on voit qu'il y a eu aussi des trucs genre Taric, tout ça. Il y a un pick de Rel, mais du coup, attends, parce que c'est un pick de Rel quoi. Quand j'ai des gaming, ouais, bon. Ouais, le pic d'Orel, je suis pas très fan, mais bref. On voit qu'il y a énormément de pics différents parce que le joueur est extrêmement versatile, ça c'est sûr. Bon, évidemment, il n'y a pas que des réussites, hein, forcément. Déjà, le 0% de win rate sur Lucian Nami, ça fait peur. Mais après, on va se dire que c'est pas forcément non plus un problème de lui, spécifiquement, parce que bon, généralement, quand Lucian Nami perd, c'est pas forcément uniquement de la force à cause de Nami, quoi. Généralement, Nami a pas forcément trop. De problèmes, surtout que bah, la bot lane, la duo lane en elle-même n'est pas forcément un ceiling très élevé en termes de capacité. Surtout, bon, dans le meilleur cas qu'il y a, ils peuvent te one-shot un mec avant le teamfight. Mais c'est pas non plus comme si c'était genre la bot lane la plus OP de l'histoire. On voit qu'il y a pas mal de picks de Rakan, de Nautilus et de Pyke, donc on voit qu'au bout d'un moment, il a tendance à privilégier pas mal de picks différents, parce qu'on voit Rakan, Nautilus, Pyke qui sont des champions très agressifs, on va dire. Mais là, il y a du Renata, il y a du Lulu, il y a du Senna. D'ailleurs, la Senna, c'est très intéressant parce que, comme vous voyez, c'est un support qui joue Senna. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement avoir Patrick qui pourrait partir sur des picks qui ne sont pas forcément des picks d'AD Carry, s'il en était capable. Et derrière, ça pourrait créer des botlanes qui soient très intéressantes et qui permettent de basiquement brouiller des picks en draft. On avait vu par exemple des Senna Yasuo qui étaient partis. J'ai cliqué sur Senna, mais malheureusement, c'est que le champion. C'est pour ça que je ne peux pas cliquer spécifiquement sur ça. Oh, je peux pas voir avec qui c'était perte tout de suite comme ça. Ok, donc là, c'était quoi? C'était avec Séraphine, ici. Ici, on avait un pick avec Yasuo, je crois. Il y a eu un Yasuo à un moment. Faut que j'ai cliqué sur Senna et pas sur la game. Ok, là, ici. Donc là, c'était encore Séraphine. Intéressant. Tac. Séraphine également. Ah oui, c'est vrai. C'était... J'ai confondu avec les games de... Avec les games où ils avaient flex Varus en mid lane pour pouvoir mettre Senna, Séraphine en bot lane. Ce qui est du coup quelque chose qui est rendu possible par le combo avec Senna. Et là, on avait... Voilà. Là, on avait la game avec Senna, Yasuo, du coup. Ce qui peut du coup être très intéressant dans le fait de pouvoir flex des capacités et de rendre du coup... Par exemple, ici, le pick de Sivir et de Horn assez... assez irrelevant du coup, lol, à cause du fait que ben il n'y a pas de possibilité de mettre que ce soit des auto-attaques durant le teamfight ou dans le cas de Horn, des ultis convaincants, on va dire. Donc voilà, c'est ce genre de capacités qui peuvent être utilisées. La question, c'est est-ce que Patrick peut jouer ce genre de pick? Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas trop vu ça de sa part. Est-ce que des trucs genre en S8, par exemple, on a vu quelques Ziggs, on a vu un Ziggs, on a vu trois Swain, ouais. Ça reste assez léger. Ça reste assez léger dans une saison où il y avait quasiment que des mages en botlane ou des trucs comme ça qui stylés qui ont été tentés. Là, par exemple, pareil. C'est le type de joueur qui a souvent tendance à jouer quasiment que des ADC. Hein. Mais c'est vraiment pur un ADC et pas vraiment un botlaner. C'est potentiellement là qu'on perd une sorte de synergie qui pourrait être intéressante. Je sais pas si c'est quelque chose que Kargamas va vouloir essayer de développer avec Patrick, mais j'ai peur que ce soit pas trop possible en vue le style du joueur. Donc voilà, c'est un peu le problème qu'on pourrait avoir avec cette duo lane.
et c'est ce qui pourrait poser problème. Donc, on va passer très rapidement du coup à ce magnifique bloc-notes où on va pouvoir donner basiquement les plus et les moins de ce roster. Alors, donc déjà, ce qu'on pourrait dire, déjà, bon, évidemment, il va falloir qu'on en parle, c'est qualité individuelle globale. C'est-à-dire, on voit qu'on a un certain seuil, un certain, comment on a, pas un plafond, mais justement au contraire, on a un seuil minimum de qualité qui est quand même acquis à peu près partout. Je dirais spécifiquement en top, slash mid, slash bot, slash support. Parce que, bon, dire que c'est, j'ai encore des doutes, notamment après le passage en NA, on va voir à peu près comment est-ce qu'il va se relever tout ça, même si je sais qu'il y a déjà un split avec Altralis, mais dans un roster comme celui-là, comment est-ce qu'il va pouvoir s'imbriquer et est-ce que ça va bien cliquer et surtout, est-ce que le niveau mécanique qu'il a maintenant est à la hauteur des picks sur lesquels il était le plus proactif à l'époque où il était considéré comme étant un des meilleurs junglers de son poste. Ensuite, on peut dire qu'il y a une versatilité de pick qui est très intéressante en top notamment et en support. On pourrait potentiellement considérer la jungle, mais vu les récentes performances qu'il a eues avec des carry junglers, j'ai tendance à pas vouloir la lui donner tout de suite. Et ADC dans... Enfin, et bot, on va dire. On va mettre ADC en fait, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que dans le rôle de AD carry, il y a une versatilité de pick, mais c'est uniquement AD carry du coup. Donc c'est particulier du coup dans ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Aïe aïe aïe, c'est complexe. Hein. C'est pas complexe dans le sens où c'est dur de leur trouver des qualités positives, c'est juste c'est compliqué de savoir les formuler de manière à ce qu'on donne à peu près toutes les idées possibles. Je pense qu'on va rester là pour les points positifs parce que c'est déjà assez intéressant en termes de... Déjà, avoir une qualité individuelle aussi énorme du côté de d'Excel, c'est quand même un... quelque chose de très intéressant et ça les place directement dans le top 3 on va dire des individualités en termes de roster de toute la LEC donc ça montre quand même qu'il y a une certaine attente à ce niveau-là. Maintenant, je vais un peu devoir jouer les troubles faits. Déjà, le gros problème que j'ai déjà c'est au niveau de la diversité de pick en mid, ça c'est sûr, et un peu en jungle ces derniers temps. Ça me fait un peu peur, mais encore une fois, pour Xerxes, je sais pas si c'est un problème de la team ou si c'est un problème de lui. Donc, c'est encore une fois, c'est une incertitude. Je sais pas trop, je peux pas trop en parler. Pas trop dire que c'est genre forcément volontaire de la part du joueur. Mais je me dois de le noter. Et tout comme je me dois noter qu'il y a beaucoup de picks qui se ressemblent du côté de VTO, qui sont pas forcément les picks les plus adaptés. Notamment dans un contexte où ce sont les picks les plus joués. Ensuite, alors il faut que je commence à en parler. De l'aspect que les gens redoutent le plus, mais apparemment pour quand il s'agit de hype sur Excel spécifiquement, les gens n'ont pas trop tendance à en parler. C'est tout l'histoire des super teams. Alors, le problème des super teams, je vais le dire tout de suite, c'est pas le fait d'être une super team. C'est-à-dire que le fait de choisir plein d'individualités et de les mettre ensemble pour créer une équipe giga forte, c'est pas en soi un concept mauvais. Genre c'est pas comme si les individualités en elles-mêmes, genre il n'y avait pas un seuil d'individualité minimum qu'il fallait donner. Maximum, on va dire, et au-delà de ça, tu commençais à performer moins bien, tu vois. Le problème, c'est surtout lorsque tu penses des rosters d'une manière, une mauvaise manière, entre guillemets, en se disant que c'est uniquement le seul critère auquel il faut penser lorsque tu veux créer un roster intéressant. Et là, je peux pas m'empêcher de se dire que déjà, il pourrait potentiellement y avoir un manque d'automatisme. Et vous pouvez dire ça de pas mal de comment dire, vous pouvez dire ça de pas mal d'équipes en général en LEC, puisque évidemment c'est pas comme si tous les rosters ont changé cette année, hein. C'est-à-dire que même Koi a changé un joueur. Donc c'est pas comme si je pouvais pas forcément dire ça de toutes les équipes dans une moindre mesure, mais spécifiquement du côté de Excel, j'ai regardé, il n'y a que Odo Amné et Xerxes qui ont joué ensemble. Tous les autres joueurs ne se sont jamais croisés ou n'ont jamais joué ensemble en même temps. Donc ça fait peur, parce que ça veut dire que potentiellement, on a énormément d'incertitudes sur la manière qu'ils ont de voir le jeu et la manière qu'ils ont de fonctionner. Ce qui fait que si ça se trouve, ils pensent pas du tout le jeu de la même manière. Et ça peut poser problème. Si à un moment, on commence à avoir des divergences d'opinion dans les games ou avant les games, dans les scrims ou dans les discussions, on pourrait potentiellement avoir des moments où dans la partie, les joueurs ne veulent pas faire la même chose et décident de finalement faire des choix qui sont contraires à ce que leurs mates font. Et ça peut poser problème. On pourrait aussi avoir, donc je peux potentiellement mettre un slash en mode pas la même vision du jeu, on va dire. Ce qui pourrait potentiellement arriver. Ensuite, on a potentiellement un problème de stack de ressources. C'est-à-dire que si carry jungle, on va dire. Parce que le problème, on a vu que VTO joue quasiment que avec des carry qui demandent d'avoir les ressources, basiquement. C'est-à-dire que, voilà, Sylas, Akali, Leblanc, des trucs comme même des Corki,
Il a besoin de ressources pour pouvoir fonctionner. Patrick, c'est quasiment tout le temps la même chose aussi, pareil, c'est à peu près tout le temps le cas. Donc on sait déjà que la botlane et la midlane sont verrouillées en termes de ressources. Donc ça veut dire que forcément ça empêche un moment, que ce soit la jungle ou la top lane, de partir sur des champions qui demandent trop de ressources également. Parce qu'après, au bout d'un moment, on va juste arriver à un point où les champions n'auront plus assez de ressources pour fonctionner dans le jeu, quoi. Donc, ou alors, il va falloir forcément que ça se répercute sur le player state de la midlane ou de la botlane. Donc potentiellement, ça peut poser problème si la midlane et la botlane bloquent trop le potentiel de pick. On pourrait arriver à un moment où on a également une, comme pour l'année dernière chez Rogue avec Odoamné, on a une standardisation des picks autour de tous les mêmes picks qui peuvent fonctionner avec une économie réduite, pareil pour la jungle. Et dans ce cas-là, du coup, les drafts finissent par devenir assez prévisibles. C'est ça qui pourrait vraiment poser problème au bout d'un moment. Donc, c'est un problème qui peut se passer, c'est que si on décide de jouer de manière agressive, ça va être complexe avec le jungle top en termes d'économie, on va dire. Et enfin, comme je dis encore une fois, il y a aussi un truc de si on va mettre potentiel clash d'identité de jeu. Pas d'identité de jeu, mais place thématique, on va dire. Thématique de draft. Alors, évidemment que... Je vais en parler maintenant, mais évidemment qu'il y a énormément d'équipes, quasiment toutes les équipes en LEC ont déjà fait des mauvaises drafts où les champions en top jungle avaient rien à voir avec ce que voulaient faire les champions mid et botlane, par exemple. Mais même chez Koi ou même chez Rogue par exemple, qui était la meilleure équipe Europe, hein, on a quasiment eu tout le temps des problèmes comme ça. Donc c'est le cas dans pas mal d'équipes en Europe. Mais le problème c'est que dans le roster Excel, ça se voit un peu plus que les autres parce que on a un des picks qui sont souvent très agressifs du côté de la mid lane, donc très engage. Pareil un peu pour le Patrick qui est souvent connu pour ses picks de Lucian, de Draven, de Kalista, tout ça. Donc ça peut potentiellement être également un problème de ce niveau-là. Targamask qui forcément va avoir tendance à partir sur un support qui va de pair avec Patrick, donc derrière partir sur du Duncan, du Nautilus ou du Pyke. Derrière, par contre, si on a Odoamné qui part sur des tanks qui sont pas particulièrement des Renekton par exemple. S'il part sur des Jace ou autre chose, ça peut poser problème parce que Jace n'est pas forcément un champion engage. Pareil pour Gwen, même si elle peut être un peu plus versatile. C'est pas forcément le cas de Graves non plus. C'est pas forcément. L'engage peut pas forcément non plus venir théoriquement de Gnar. C'est plutôt un champion qui a tendance à vouloir genre jouer après une engage, justement. Pas forcément servir d'engage. Oh, c'est un peu. C'est pas vraiment trop un problématique comme ça, mais. Peut poser problème à ce niveau-là aussi. Et du côté de Xerxe, bon bah oui, hein, c'est à peu près la même chose. Il faut qu'il y ait une engage de Wukong, basiquement, pour tenter un truc. Donc ça limite un peu les picks, on va dire, en termes d'engage. Potentiellement un Jarvan, peut-être. Mais ouais, des picks potentiellement, comme ce qu'ils nous avaient sorti avec des trucs genre Karthus, par exemple, peut être un peu annulé, du coup. Pareil pour les trucs genre Kha'Zix. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu veux faire une draft à engage et que t'as pas d'engage, genre t'as une draft agressive qui demande de rentrer dedans mais t'as pas d'engage, ça va poser problème au bout d'un moment parce que du coup tu peux juste pas rentrer dans le teamfight. C'est que tu t'es obligé de courir mais tu vas courir vers ta perte au bout d'un moment. C'est ça qui peut poser problème à ce niveau là. Donc ça c'est compliqué. Parce que du coup si on... Ça... Soit on a des joueurs qui sont obligés de se limiter énormément dans leur pick pour pouvoir aller dans la direction du mid de la botlane. Soit on va avoir des cas où ils vont pick ce qu'ils veulent de toute façon ou alors par rapport au match-up uniquement sans se préoccuper de la thématique de la draft et donc avoir des drafts incohérentes qui fonctionnent moins bien. Donc c'est ça forcément pour moi les deux craintes principales que j'ai au niveau de l'équipe et c'est pour ça que j'ai pas mal de trucs. Alors avoir plus de points ne veut pas forcément dire qu'ils sont meilleurs, hein. Enfin qu'ils sont moins bons, je veux dire. C'est pas parce qu'on est à 4 contre 2 que là forcément je vais les mettre en 10e, tu vois. Mais c'est juste je pense que c'est nécessaire d'être aussi exigeant du côté de Excel parce que on a des individualités qui sont aussi élevées et surtout ben c'est un peu pour tempérer un peu la hype des gens, parce que c'est vrai que j'ai tendance à souvent très très hyper Excel en disant ça va être un roster de fou, ils vont faire des résultats de malade. Calmez-vous. Par exemple, je pense que je préférais toujours un roster comme Koi, déjà parce qu'en termes d'individualité ça se vaut, et qu'en plus il y a des automatismes qui sont vachement plus présents parce que 4 joueurs sont restés, quoi. Là, Excel, on a une équipe, une structure qui a fait 4 changements, et aucun de ces joueurs, à part donc 2, du coup, n'ont joué ensemble. Ça va être oui, forcément il y a énormément d'incertitudes sur ce roster là, et même si je pense quand même qu'ils vont terminer dans le haut du tableau évidemment avec leur roster, je pense pas que ce sera genre une explosion aussi élevée que ce que les gens pensent. Donc maintenant, s'il faudrait donner un prono pour Excel, je pense qu'ils vont faire au moins ou au plus, je vais faire une moyenne basiquement, parce que je pense qu'ils peuvent faire plus et je pense qu'ils peuvent faire moins, ça dépendra
forcément de comment est-ce que le roster clique. Évidemment qu'il y a énormément d'incertitude au niveau de ce roster, tout comme il y en avait par exemple du côté de chez Vitality, ce qui selon moi a plombé également leurs notes. Pareil un petit peu pour Heretics, parce que évidemment bon, Heretics c'est pas non plus que des joueurs qui ont joué ensemble. Donc évidemment il y a énormément d'incertitudes à ce niveau-là, à ce niveau de ce roster-là. Donc mon prono c'est du top 4. Ça reste évidemment sujet à évolution, je pense qu'en, comme je vois qu'il peut faire mieux et comme qu'il peut faire pire. Je pense que le ceiling de ce roster peut être assez élevé si toutes les individualités cliquent, si on décide d'avoir des rosters qui, enfin des joueurs qui vont volontairement vers des picks différents et qui sont capables d'adapter leurs picks en fonction de la draft et de la draft adverse, on peut clairement avoir une des meilleures équipes de l'histoire de l'Europe, potentiellement. Si vraiment tout le truc clique au maximum. Mais je pense qu'il faut être un petit peu plus sceptique que ça, notamment sur un roster qui pour l'instant voilà, n'a quasiment pas d'antécédent. Quoi. C'est assez complexe, assez compliqué de dire si ça va cliquer aussi bien qu'on pense que ça va cliquer. Ensuite, alors, je vais parler maintenant de ce point-là parce que je voulais pas le mettre dans les points négatifs. Parce que je suis pas au courant. C'est-à-dire que je fais que reporter des choses que j'ai entendues de joueurs pro basiquement dans leur stream ou d'autres personnes du milieu. Mais apparemment, le stacking d'individualités et d'ego serait également potentiellement un problème dans le futur avec Excel. Je suis absolument pas au courant de ça. Je suis pas là pour dire que voilà, c'est littéralement du gossip hein, entre les joueurs. Avec genre comme des streams de joueurs genre Yankos, tout ça, qui disaient que potentiellement il pouvait y avoir des problèmes à ce niveau-là. Moi, je tiens juste à dire que je ne fais pas prendre ça en compte dans mon roster. C'est juste un truc sur lequel il faut potentiellement surveiller. C'est-à-dire que si on a une mauvaise streak qui peut arriver à un moment, c'est-à-dire une série de 2 ou 3 défaites, peut-être que ça va enchaîner sur une spirale négative. Peut-être qu'au bout d'un moment, les joueurs vont pas forcément être dans le meilleur mood pour réussir. Et on peut pas forcément réussir à se remobiliser, on va dire. Peut-être que ça va potentiellement se poser la question. Je sais que des cas où il y a trop de stacking individuel qui finissent dans des mauvais résultats, ça existe dans l'e-sport. C'est arrivé notamment chez Vitality lors du dernier lors du Spring Speech, si je me trompe pas. Même pas le Spring Speed en réalité, est-ce que je peux voir ça? Si c'est ça, hein, bah, bref. C'est le moment où ils ont fait leur super team avec Alpharis, FMED, Perks, Karzy et Labrov. On a eu une cinquième place qui a été faite alors que c'était considéré avant avant le début de la saison, on considérait que c'était l'un des meilleurs rosters de LEC, basiquement je crois top 2 avec Sweet Fnatic. Et où les gens ont dit, bah, c'est vraiment bizarre qu'ils terminent à la cinquième place en se prenant un 3-0 sec de G2. Et potentiellement, les gens ont dit, bah, peut-être que justement, c'est un problème de stacking, d'ego et de personnalité. Donc, faire gaffe. On a déjà vu des histoires qui se reproduisent comme ça. Donc, je le dirais ici. Je ne l'ai pas pris en compte dans le classement, dans mon pronostic, évidemment. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment prêter attention. Voilà, donc c'était juste pour être le plus complet possible dans la vidéo, mais c'est clairement pas non plus... si ça se trouve, c'est pas vraiment le cas, et en réalité, on va avoir une équipe avec un mental de fou. C'est juste pour expliquer pourquoi est-ce que je suis un petit peu moins optimiste que les gens sur Excel. Voilà. Même si, bon, voilà, top 4, c'est pas non plus si peu optimiste que ça, hein. Certains que c'est en plus, c'est le winter uniquement. C'est-à-dire que dans l'année, ils sont clairement capables de progresser aussi encore plus élevé, mais encore plus élevé. C'est juste, effectivement, le passage en BO3 et BO5 potentiellement peut poser des problèmes sur des individualités comme Viteo, tout ça, mais notamment. Mais sinon, en dehors de ça, le ceiling et la capacité individuelle de l'équipe commencent et toujours extrêmement élevé. Je commence à répéter mes mots, donc on va commencer peut-être à terminer cette vidéo. On va faire la conclusion, je pense. Bref. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, donc. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement. Si vous voulez me donner votre avis sur Excel et donner plus d'arguments sur pourquoi est-ce que vous pensez que cette équipe va être incroyable, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je vous conseille déjà de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et du coup, je vais essayer de speed un peu plus, du coup, parce qu'on a littéralement le LEC qui reprend littéralement là dans 2 jours. Donc, on va essayer de speed un petit peu. Il nous reste 2 vidéos, basiquement. C'est basiquement les 2 plus grosses structures historiques d'Europe, donc ça devrait être assez intéressant. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde.